deuxième indépendance. Nous n'allons plus accepter une récolonisation, même africaine. Karine's internet campaign seemed to have worked. After 5 months in Kinshasa's worst prison, Marie-Thérèse was finally released. All charges against her were dropped. She's now in Belgium getting medical treatment. I decided to go and visit Karine and her family in Kinshasa. She's been arrested and this, and you know, it was like two days afterward. I think my aunt's daughter sent the email first and then my brother. So the whole point was just to spread out the word. We want to do something for the people who actually do something, you know, this is what can happen. And I mean, it just happened now and she just got released now. So I don't know if she's gonna keep doing what she's doing and being in the opposition. C'est une femme qui aime bien son pays, mais elle a eu des traitements. Bon. Ça a été injuste, c'est tout. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà, risque de. Vous voyez, ce n'est pas bon. On se réserve, hein? Notre papa avait milité pour ce pays. Il avait traversé par pirogue sur le fleuve Congo. C'est lui qui a été chercher Maître Croquet en 1959 pour venir défendre la cause du pays, de notre pays, pour qu'on ait l'indépendance. Here in Kinshasa, it's strange because my aunt is not here, and because of what happened to her, everything is a bit uncertain. For example, now it's difficult for me to phone my aunt straight from a phone in Kinshasa because the lines are tapped. Ça fait combien en total? 1000. 2, 3. Si je vois, si je parle, je croise avec un soldat. Il faut se cacher ou bien fuir. Parce que lorsqu'il t'attrape, elle va te fouiller. Elle va te fouiller. Lorsqu'elle trouve que tu as l'appareil, il prend l'appareil.
L'argent, il prend l'argent. Il peut même te violer, même aussi te tuer. D'avoir un présent pour moi, un soldat pour moi, ça représente un danger. C'est un danger. Maman Thérèse avait dit qu'il y avait, quand on l'avait arrêtée, qu'elle était la première fois. Et puis qu'ils avaient programmé de la tuer ce soir-là. Mais un général qui l'a appelé dans son bureau, et puis elle est restée dans son bureau, lui, il est parti. Mais, pendant qu'elle était là, elle ne savait pas qu'il l'avait peut-être sauvée. Devant la caméra, si j'explique les histoires là, des morts sont venus me prendre. Hein. Si, si il fait votre quelqu'un de là. On va, maman, arrêtez. Hein. Tu peux bien parler si je suis peut-être chez vous ailleurs. Je vais parler. On connaît beaucoup d'histoires. Bon. On est là. Comme on doit être là, on est là. Mais sinon, il fallait changer de nom. On est déni de démocratie. Il fallait on met être autre chose. On n'est pas démocrate. Ça parce que ceux qui nous gouvernent n'ont pas l'esprit de la démocratie. Ils ne veulent pas que tu dises du mal d'eux ou tu dises ce qu'ils ont fait de mal. Comment on va avancer? D'indépendance dirigée par les hommes, il y a le pays ne fait même pas de surplace de Grèce. À cause des hommes. Oui, les hommes. C'est à cause des hommes ou à cause des femmes qui nous conseillent mal. À cause des hommes. Vous savez, autant après l'indépendance, vous ne pouvez pas dire que ce sont les traditions. C'est un problème structurel. Il fut une époque où les femmes étaient plus avancées. Les femmes étaient plus avancées. Combien il y a de femmes intellectuelles? Mais il y en a plein à travers le monde. À l'ONU, il y a beaucoup de Congolaises. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Indépendance, cha-cha, tous oubliés. Bon, qui pense à...